Bonjour et bienvenue à ce tout nouveau podcast qui s'appelle Sous la surface. Je m'appelle Maxime Tremblay, je vais être l'animateur de cette émission euh, Solo! En solo, sous la surface, c'est une émission où est-ce que je vais parler de technologie, ce qui s'est passé cette semaine. Et toutes les semaines, je vais essayer de faire le tour de l'actualité. Euh, normalement, je devrais aussi aller dans Creuser. Je vais essayer à toutes les semaines de creuser un dossier un petit peu plus profondément, d'où le, le terme sous la surface, donc on va un petit peu plus loin que ce qu'on qu peut lire directement dans les médias. Euh, aussi, je vais faire un truc de la semaine. Toutes les semaines, ça j'en ai un cette semaine. Un dossier cette semaine, j'en ai pas par exemple. Mais parce que j'ai un petit peu plus d'actualité. Et puis euh, finalement, on va avoir une période de questions, des questions que je vous ai demandé de me poser cette semaine. Donc cette semaine, j'ai des questions de euh, Galgator. Euh, donc euh, normalement, euh, je vais avoir ça en fin d'émission. Pourquoi sous la surface ben, Comme je disais tout à l'heure, ben, le nom de l'émission fait, ré fait référence au fait que je veux aller plus loin que ce que l'actualité va ou, ou essayer de le vulgariser aussi, tu sais, des fois de, de comprendre au-delà du headlines, au-delà du, du sujet de l'article. Euh, moi, pour faire un historique, je suis un technicien d'informatique, comme des centaines de millions de techniciens d'informatique qui existent. Mais aussi, j'aime faire des podcasts. J'avais un podcast de l'épée légendaire, puis euh, là, ce podcast-là de jeux vidéo est un peu sur la glace présentement, puis ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose euh, qui, euh, que je parlais euh, de techno, vraiment de parler de ça. Je l'ai déjà fait dans le passé à travers de l'autre podcast, mais je crois qu'à l'intérieur du podcast de jeux vidéo, ça fitait moins bien. Donc euh, aujourd'hui, c'est comme une. Une suite logique à l'épée légendaire, c'est sous la surface. Puis un, moi j'étais je suis un adepte de, de, de ces produits-là aussi, de la marque surface. Donc c'est ce qui c'est ce qui produit présente le chaud Oui, ouais, ici, là. <laughs> fait que c'est le sous la surface, c'est un peu tout ça. Même le thème de l'émission, c'est ça vient d'une ancienne pub de. de, de de surface euh, que lorsque Microsoft a lancé le, le, ce produit-là au départ. Fait que euh, j'ai récupéré la musique qui était au, Open euh, OpenGL mais euh, bref, sans, sans libre de droit. Donc et puis euh, voilà. Fait que, euh, on va commencer tout de suite avec euh, le premier. Euh, bah, en fait, je vais commencer par dire bonjour aux gens qui sont sur le chat, à Mathieu, à Tirture aussi qui est là, c'est JM qui est là. Donc euh, merci d'être là et tous les autres. Qui, euh, qui sont avec moi euh, présentement. Donc, premier sujet de la semaine, euh, c'est Mozilla. Mozilla, si vous vous rappelez, avait lancé un, un OS mobile pour les appareils mobiles qui s'appelait Firefox OS. Ben, Firefox OS euh, a jamais vraiment eu le succès escompté. C'est un OS au départ qu'on voulait compétitionner directement les autres plateformes. Ensuite, on s'est dit, ben, on va aller plutôt vers les marchés. Euh, en voie de développement, ou est-ce que ça ne coûtera pas cher? Donc, à ce moment-là, on va pouvoir on va essayer de, de, de faire un système d'exploitation qui va marcher sur des appareils très bas de gamme, donc qui va être, qui va être fonctionnel là-dessus. Mais même dans ce marché-là, ils n'ont pas vraiment réussi à se distinguer. D'une part, parce que ce marché-là euh, avait été d'abord euh, très occupé par euh, le Windows Phone de Microsoft, puis. Ultimement, par Android, lorsqu'ils ont optimisé les, les, euh, le système d'exploitation pour qu'il tourne sur des, des configurations de très très, très, basses, euh, de très basse performance. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement, c'est juste du Android. En termes de... de, de euh, dans, dans cette gamme-là, ça fait que du côté de Firefox OS, eh, c'était difficile. Fait, que Mozilla, ils ont décidé de simplement euh, fermer la division. Ils reconnaissent que c'était un segment qui était important pour eux, qui était quand même intéressant. Mais malheureusement, ben euh, voilà. Fait Ils n'ont pas les, les reins assez solides pour maintenir ça. 50 personnes ont perdu leur emploi. C'est dommage. Moi, je l'ai essayé, Firefox OS. Ça avait du potentiel. C'est intéressant, mais honnêtement, je ne pense pas que ça se distinguait assez d'Android pour être capable vraiment d'aller ailleurs, pour être capable de, de proposer un produit différent. Et puis, ben, ben c'est ça. Ça fait que. Avez-vous déjà essayé ça, vous, euh, Firefox OS? Pose la question au chat. C'était, c'est ça. <laughs> C'était pas plus que ça. Euh, Fac. Voilà pour FireFox OS. Prochain sujet de la semaine, c'est Microsoft qui offre la Surface Pro 4 maintenant, mais sans stylet. La Surface Pro 4, c'est un produit qui a été lancé en, deux, en 2015. Donc, ça fait en 2016, on n'a pas eu de refresh, on n'a pas eu de rafraîchissement de cette gamme-là. Euh, la version Core M3, pas de stylo, est maintenant lancée. Euh, aux États-Unis, ironiquement, c'est qu'on a lancé ce produit-là qui était moins cher que le Core M3 standard mais avec le stylet. L'objectif, c'est évidemment de, prendre, de rendre le produit un peu plus d'entrée de gamme en termes de prix. Mais là, ça ne fait pas de sens. Parce que <laughs> Au Canada, la version pas de stylo est vendue 999. Moi, j'ai un rabais étudiant qui est appliqué, un rabais, le, le, le fameux rabais université, fait qu'on le voit à 8,99$. Mais le prix régulier, c'est 999. Puis lorsque je mets. Le, le, le même device, le même appareil, mais <laughs> le même appareil, mais avec le stylet, il est 999 aussi. Pire, euh, Brad Sams, qui est un chroniqueur journaliste spécialisé de, pour les produits Microsoft, euh, a publié hier des screenshots de la boutique Microsoft Store aux États-Unis, puis la version Core M3 avec stylet est 100$ de moins cher que la version sans stylet. Donc là, je pense que euh, les systèmes chez Microsoft sont mélangés présentement. Honnêtement, ça ne fait pas de sens. Mais ultimement, ça va faire du sens, par contre. Parce que euh, le stylet, c'est vraiment le fun. C'est plaisant de l'avoir. J'en ai un ici. Je vais vous montrer mmh, à quoi ça ressemble. C'est quand même cool. Si je fais ça, voilà la patente. OK ça, c'est le stylet, le fameux stylet de Microsoft. Fait que, euh, on a un bouton au bout qui permet d'ouvrir les applications, dépendamment de comment -ce on ce qu'on l'a configuré, qu'on fait un clic, deux clics, ou si on maintient le clic. Fait que, c'est les trois options. Euh. Le bout, il y a une texture au bout du crayon. D'ailleurs, parce que la cam n'est pas capable de s'ajuster pour le montrer, il y a une texture au bout du crayon qui aide à rendre le, 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 le glissement sur l'écran encore plus naturel. Puis, euh, dans la bande magnétique, si ça, c'est une bande magnétique qui colle sur le côté de la surface Pro 4, puis du surface book, mais il y a un bouton. Il y a un bouton qui est caché là. Voilà, ça fait clic-clic. Euh, sauf que ça, pas tout le monde qui en a besoin. Puis, il y a bien des gens qui voudraient avoir une surface Pro 4. S'acheter un clavier et sauver l'argent là-dessus. Ultimement, le, 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 le produit fait du sens. C'est juste que Microsoft là, doit rattraper ses bas puis euh, ajuster le prix. Parce que que ce soit le même prix, ça ne fait pas de sens. Tu payes le même prix sans ça. Qui vaut, euh, ça, ça vaut cher. Hein? C'est 80 ou 90 dollars, si je ne me trompe pas. En magasin, c'est quand même très dispendieux. On va aller voir pour le fun. Comment est-ce que ça vaut Stylet. surface. C'est ça. Hein? On va voir comment est-ce que ça vaut. Je vais remettre le bureau de la cam. Ouais. Fait que le stylet Surface ça vaut 80 dollars prix régulier. On voit. Fait que c'est ça. Fait que là on voit que ben euh, malheureusement euh, c'est ne ça fait pas de sens. Fait que euh, voilà. Là, j'ai cassé mon switch automatique de mes fenêtres. Je vais juste réajuster ça tout de suite. C'est la première, hein? c'est la première. Ça, je vais mettre ça. On met. Mettre... Hmm. Ça, je pense que ça marchera pas. Comme ça. Pas ça, ça va être, ça va être bon. Non, ça marche toujours pas. Too bad bad okay, ok 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 voilà fait que c'est ça fait que voilà pour ça euh, le prochain truc ben là c'est je vais toujours le désactiver parce que ça va casser ma, 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 ma diffusion complètement voilà. ouais 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 c'est bon prochain truc euh, que je veux parler cette semaine c'est le hackathon le hackathon c'est un événement qui va être organisé par euh, par Radio-Canada. Euh, en collaboration avec Microsoft, encore une fois, c'est un, une compagnie qui, qui revient souvent ce soir. Euh, le hackathon, ça va être quoi? Ça va être vraiment une des, des inscriptions où est-ce que les gens vont pouvoir participer à une compétition de, 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 de hacking. Donc, où est-ce qu'il va y avoir des prix qui vont être distribués? Euh, l'événement se tiendra le. On peut s'inscrire jusqu'au 17 février. Et l'événement va se tenir. À partir d'ici, les participants vont, vont être invités à des sélections d'abord. Le hackathon, premier jour, c'est le 24 mars. Euh, ça, c'est euh, c'est une première. Ici, ici au Québec pour. Non, t'as plus pas vrai. Il y a d'autres compétitions qu'on a eues ici au Québec de, de hacking comme ça, mais que ce soit majeur, plus grand public, avec des gros commanditaires comme ça. Ça, je trouve ça très cool. Fait que Radio-Canada qui s'embarque là-dedans. J'ai parlé à des, à des développeurs aujourd'hui qui n'étaient qui pas très... Chaud de la formule parce que euh, la, la formule d'inscription est, est, ne permettait pas des équipes à l'avance. Fait c'était comme c'était comme so -so. Les inscriptions, c'était des moitiés pour des individus, moitié des moitiés des, pour des, des, des employés aussi. Fait comme je lui disais, je pense qu'ils vont peut-être réajuster pour la prochaine formule. Si ça ne fonctionne pas, on verra bien. Mais bref, nouveauté euh, de Radio-Canada, fait que les gens vont devoir, vont, vont, vont en participer à cette. À, à cette compétition-là, il va avoir des prix, des Xbox, des cartes Microsoft à gagner, des bourses, euh, des jardins, comme on voit ici. Donc, je pense que ça va être un événement qui va être à surveiller. J'espère qu'on va avoir d'autres événements comme ça dans le futur. Euh, c'est bien pour la sécurité, c'est bien pour le développement de la sécurité. Euh, puis, les entreprises, dans ce temps-là, ben, pour pas très cher, ils peuvent améliorer la sécurité de leurs produits aussi. Euh, c'est quand même bien. Euh, prochaine nouvelle que je voulais parler ici, on le voit, c'est euh, une nouvelle pour la PS4. Puis ça, c'est plus jeu vidéo, mais c'est techno quand même. Parce que depuis trois ans, euh, pour, si vous voulez faire un upgrade de stockage sur la PS4, ce que vous devez faire, c'est retirer le disque. Ce qui est très facile à faire, hein, parce que la PS4 est vraiment bien conçue pour ça. Le disque est super facile à retirer. Puis vous installez le nouveau disque. Le problème, ce n'est pas l'installation du disque, c'est le transfert des données. Puis ça, le transfert des données, la procédure est un peu casse-pied. Puis des fois, ça marche, puis là, des fois, vous, vous transférez avec une clé USB que vous devez avoir qui est assez grosse pour transférer vos données. Là, la clé va planter ou, ou va, va se corrompre. Vous allez devoir recommencer encore une fois, puis si vous aviez wipé votre disque, vous allez avoir perdu vos données. C'est casse-pied. On, on va se le dire, c'est élégant parce qu'il n'y a pas de disque dur externe qui traîne proche de votre console, mais c'est casse-pied. Microsoft eux ont opté pour une solution où est-ce qu'on peut pas ouvrir la console La console est fermée, ben, on mais on peut l'ouvrir, mais on n'est pas supposé de la changer. OK Pas supposé de changer le disque interne. Mais ils supportent depuis le lancement un disque dur externe. Fait que vous branchez le disque dur externe, puis une fois que c'est fait, la console dit "Hey, j'ai un disque dur externe. Veux-tu l'utiliser pour ton stockage Tu dis oui, c'est fini. Puis c'est configuré. Prochaine mise à jour de la PS4, on arrive avec ça chez Sony. Donc ça fait trois ans, c'est un saviour, c'est vraiment quelque chose qui est très cool. Euh, ça, j'appelle ça euh, enfin répondre aux, aux besoins des utilisateurs parce que c'est plus facile pour la plupart, la grosse majorité des gens, de brancher un disque dur externe puis de le configurer pour transférer les données. Euh, je trouve ça vraiment bien. Je pense que c'est une excellente solution. Chez Sony, on va supporter les disques durs USB 3. De grosseur jusqu'à 8 Tera. Fait que ça, c'est... Encore là, c'est vraiment une bonne chose. Ça va venir avec l'update 4.5. On n'a pas de date quand est-ce que l'update 4.5 va arriver exactement, mais on sait que ça va venir aussi avec le support des Blu-ray 3D pour le visionnement en stéréoscopique, donc avec le casque VR. Donc euh, voilà. Fait que, bonne nouvelle pour le processeur de PS4. Vous allez enfin pouvoir upgrader votre disque de stockage beaucoup, beaucoup plus facilement. Euh, LG. LG. Là, c'est une nouvelle de Mac. Du côté de LG, euh, ils, ont sorti, ils ont travaillé avec Apple pour faire un, un écran qui s'appelle l'écran Ultra Fine 5K Display. Le Ultra Fine 5K Display, c'est vraiment l'écran qui reçoit le plus gros de marketing présentement du côté d'Apple. Euh, c'est un écran 5K, c'est un écran ultra mince en métal, aussi un beau boîtier. Moi, je trouve un beau boîtier. Je le trouve pas très beau, mais il est ultra fin. C'est vraiment un écran qui est ultra fin. Puis la particularité, c'est qu'il se branche par USB-C, donc la connectique qui est utilisée par les MacBook Pro de cette année, donc les modèles fin 2016. Et puis, euh, ils permettent, par ce seul fil, de évidemment étendre le bureau du MacBook Pro sur un ou deux écrans, si vous aviez les moyens d'acheter deux écrans Ultra Fine Display 5K ou. Euh, Puis ça, euh, ça recharge votre ordinateur portable aussi en même temps. Puis je pense qu'il y a des ports en arrière du moniteur aussi. Ça c'est très cool. Le problème c'est qu'il y a un défaut d'isolation <laughs> sur cet écran-là. Puis lorsque vous avez un routeur sans fil qui est à moins de 2 mètres de l'écran, ce qui est mon cas ici, je peux vous montrer derrière, là. ça c'est mon stock réseau qui est là. <laughs> OK L'écran arrête de marcher. <laughs> c'est vraiment c En tout cas c'est pas fort. Sérieusement, pour un produit haut de gamme comme ça, LG ont passé à côté de quelque chose. Ils savent, Apple le sait aussi. Ils ont dit aujourd'hui, ils ont fait un public, une publication pour dire qu'elle allait régler le problème que tous les écrans Ultra Fine Display 5K à partir de février 2017 qui, qui seraient fabriqués à partir de ces dates-là auraient un shielding supplémentaire, donc une protection magnétique supplémentaire pour éviter. De, de gober les interférences d'un routeur comme ça. Ce que ça va faire, euh, c'est ce que, que les écrans, les nouveaux, vont être corrects. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui ont déjà des écrans? Ça, ce n'est pas très clair encore. Euh, on, on propose aux utilisateurs de retourner vers un centre LG le plus proche de chez soi. Euh, ici, au Canada, il n'y a pas de centre LG proche. J'ai l'impression que les gens, habituellement, les gens, les, 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 les gens qui ont des Mac vont avoir acheté ce type de moniteur-là sur euh, Internet ou sur euh, par Apple, peut-être. Euh, donc, ils vont devoir faire affaire avec les, 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 les business, peut-être, pour faire une demande de garantie. Bref, c'est pas tout à fait clair encore. Mais voilà. C'est à, à valider. Mais au moins, on sait que LG était au courant du problème et qu'ils vont régler le problème sur les nouveaux écrans. Euh, de, ils, vont, ils ont changé le, le, la, la production. Puis ça. Je trouve ça quand même plate. Je voulais juste prendre le temps de dire que quand on, on achète un produit haut de gamme comme ça, c'est le genre de niaiserie qui ne devrait pas arriver. Je trouve ça plate parce que c'est des écrans qui coûtent très cher. On s'attend normalement à avoir une certaine qualité. De pour, de pour des produits comme ça. Puis là, manifestement, bien, il y a quelque chose de complètement de base qui ont passé à côté. Euh, au moins, ils vont régler le problème, mais ça demande c'est quand même un peu casse pied pour les gens qui possèdent déjà cet écran-là, puis qui doivent le faire changer. C'est juste plate. Fait que, bref, au moins, le problème va être réglé. Bonjour à Senine bonjour à Gabou, qui viennent de me rejoindre aussi sur le chat de YouTube. Euh, D'ailleurs, YouTube, je ne suis pas certain que je vais garder cette plateforme-là pour le podcast, mais je vais, je vais vous revenir avec ça. Je vais, on va y penser. Prochaine nouvelle. On est chez, chez Turot. Parler de Windows 10, il y a un Windows 10 Cloud qui s'en vient. Une version Windows Cloud. Qu'est-ce que ce serait Windows Cloud euh, Essentiellement, c'est une version de Windows qui serait plus légère, qui servirait à ne tourner que les applications universelles, celles qui proviennent. De la boutique d'application, ceux qui proviennent du magasin lorsqu'on va euh, là-dedans ici. Euh, ça vous dit quelque chose ce message-là Cette app n'est pas designée pour tourner sur cette version de Windows Si vous répondez Windows RT, vous avez raison, <laughs> vous gagnez des deux morceaux de robot. Ce qu'on dit, qu dit par rapport à Windows Cloud, c'est pas que ça va tourner uniquement sur les versions ARM, ça on ne le sait pas encore en fait. Euh, sauf que ça va, ça va avoir le même comportement j'ai l'impression qu'on va vendre des appareils bas de gamme, peut-être avec très très peu de stockage qui vont servir à fonctionner avec ça idéalement Puis peut-être que ça va être possible de faire des upgrades par la suite quand même, parce qu'on sait que Windows 10, même en version standard va pouvoir tourner sur des builds d'Intel, des builds AMD ou des bulles euh, de processeurs ARM aussi, qui sont des, des, des appareils mobiles, fait que, il n'y a rien qui empêche de dire que le SKU, le, 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 cette version de Windows, Windows Cloud, ne pourra pas recevoir d'upgrade vers les autres versions puis recevoir ça. Pour l'instant, euh, le Windows Cloud a été testé par Brad Sams, à qui je faisais référence tantôt, dans une machine virtuelle parce qu'il y a eu un leak de build. Euh, puis les applications qui ont été recompilées avec Centennial. Centennial, c'est quoi C'est euh, c'est le projet chez Microsoft qui permet de prendre une, une application 32 bits, une, une application X32 ou X64 et de la recompiler en version universelle pour qu'elle soit ensuite distribuée dans euh, le store d'applications que je vous montrais tantôt. Euh, avec le projet Centennial, ça permet de créer des applications universelles à partir d'applications existantes. Essentiellement, c'est une recompile. Mais présentement, ça ne fonctionne pas. Vous le voyez dans le, le, le screenshot. Présentement, ça ne marche pas. Ils essaient d'ouvrir Evernote, qui est une application qui est distribuée par le store, mais qui est passée par le projet Centennial. Ça ne marche pas. Éventuellement, ça devrait fonctionner. C'est un, un projet qui n'est qui est pas paru. C'est tout du bêta. Mais essentiellement, ça devrait marcher. Mais ça reste que. Je sais pas. Ils se sont déjà mis les pieds dans les plombs un peu avec une version de Windows similaire qui était Windows RT, qui ne pouvait pas tourner les applications. Euh, standard de Windows. Je ne sais pas, je suis vraiment pas sûr que c'est la, la bonne voie à suivre. On sait que, que sur les versions ARM de Windows 10, euh, que si c'est un Windows Home ou même un Windows Pro, mais ARM, il va être capable de tourner les applications 32 bits. Euh, ça, ça serait comme une espèce de Windows entrée de gamme. C'est ce qu'on ne sait pas encore. Parce que Microsoft n'a pas annoncé ce produit-là. C'est un leak. Fait que ça, c'est vraiment un sujet que je, vais veut, que je veux suivre dans les prochaines semaines. Que je veux voir qu'est-ce qui se passe avec ce fameux Windows Cloud-là. C'est quelque chose qui m'intéresse de, de, de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Donc. Euh, ça, c'est les actualités que je voulais traiter avec vous autres cette semaine. Euh, je n'ai pas de dossier. Comme j'expliquais en début de show, je vais tout le temps avoir les actualités, le dossier à creuser. Ensuite, je vais avoir le truc de la semaine et les questions. Cette semaine, je n'ai pas de dossier, je n'ai pas de sujet que je veux creuser plus longtemps. Euh, je vais passer au truc de la semaine qui est euh, l'assistance rapide. Je vais vous switcher ça maintenant. Okay. Qu'est-ce que c'est l'assistance rapide? C'est ça. C'est un outil qui est built-in dans Windows 10 qui vous permet d'aider d'autres gens qui ont Windows 10, version 16.07 et plus, donc celle qui est parue cet été, à distance. Fait Essentiellement, c'est une espèce de TeamViewer built-in dans Windows 10 qui ne fonctionne qu'avec Windows 10. L'avantage par rapport à TeamViewer, par contre, c'est que c'est plus facile à utiliser. Par exemple, moi, je veux aider ma mère sur sa tablette parce que je sais qu'elle a Windows 10 1607 je sais c'est moi qui lui ai installé puis elle a besoin d'aide avec quelque chose avant, ce que je faisais, je dis, ben là, je suis au téléphone avec elle. elle dis, bon, maman, tu vas aller sur TeamViewer.com. Elle dit, comment t'écris ça Parce que je ne comprends pas l'anglais. Ok. Là, T-T-A-M. Ok. Fait que T-I-E-N. Okay. -e non, c'est pas ça. On recommence. Fait que, vous voyez comment est-ce que c'est casse-pied Après ça, tu dis à la personne de télécharger le fichier. Tu lui dis d'aller euh, l'exécuter. tu n'es pas obligé de l'installer. Mais elle dit, j'ai fait installer. Ok. Fait que c'est ça. Fait que ça, l'avantage, c'est que c'est vraiment facile. Fait que ce que vous faites, c'est que vous ouvrez dans le menu Démarrer ici de votre programme, vous avez... Moi, il est dans les programmes rapides, mais sinon, il est dans Accessoires Windows, puis c'est Assistance rapide. C'est un petit programme ici comme ça, super simple. Les deux personnes, la personne qui aide, la personne qui veut recevoir de l'aide ouvre le programme. On clique sur Obtenir de l'aide, puis ou Offrir de l'assistance. Comme dans mon cas, je cliquerai sur Offrir de l'assistance. Puis le, le système me crée un code automatiquement. Je dois donner ce code-là à la personne qui veut recevoir de l'assistance comme mettons ma maman. Elle elle va ouvrir ça ici, elle va faire obtenir de l'assistance et le code, elle l'entre ici. Puis une fois que le code est entré, la connexion se fait. C'est automatique. On obtient une fenêtre, style TeamViewer, où est-ce qu'on peut se connecter au poste à distance puis intervenir sur le poste. C'est pas plus long que ça. C'est pour ça que c'est un outil qui est vraiment pratique, je trouve. C'est un outil qui, euh, qui est très performant aussi. Je l'ai testé. Ça fonctionne bien par Internet autant qu'en réseau local. C'est super performance. Les, les performances me, me rappellent beaucoup quelque chose comme TeamViewer ou LogMeIn et compagnie. Euh, c'est un bon outil. C'est tellement bon que c'est valeur que c'est limité à Windows 10 parce qu'honnêtement, j'aimerais aider des gens qui sont en Windows 7 avec ça. Ça fonctionne vraiment bien. Euh, le hic, bien, le hic. Petite particularité, vous ne l'avez pas vu, mais il demande un compte Microsoft. Là, moi, mon compte Microsoft, c'est mon compte Windows, donc il le configure automatiquement. Mais si, euh, si, si vous avez un compte local, standard, puis que votre compte Microsoft n'est pas par-dessus, il faut authentifier cette, applica cette application-là euh, avec un compte Microsoft pour des raisons de sécurité, sécuriser la connexion, puis vous identifier aussi à la personne où est-ce que vous allez vous connecter. Euh, quand vous avez terminé, vous faites votre travail, vous faites vos affaires quand vous avez terminé, vous cliquez sur terminer, c'est le partage d'écran terminé. Ça sert euh, ça fait un paquet de trucs, ça vous permet de dessiner à l'écran, vous pouvez annoter, euh, vous pouvez redémarrer le poste à distance si vous utilisez le bouton pour redémarrer le poste à distance, l'outil va attendre que le poste redémarre puis il va vous dire qu'il est prêt à se reconnecter, vous allez pouvoir reconnecter sans redonner le code, sans refaire la procédure. Ouvrir le gestionnaire de tâches, qui sont des trucs classiques de remote assistance. C'est un bon outil, je l'ai utilisé, ça fonctionne vraiment bien. Ça donne quoi comme performance par rapport à TeamViewer C'est très similaire, Mathieu, sérieusement. Alors vraiment, pour l'avoir essayé, puis je suis un gars qui utilise TeamViewer à tous les jours dans mon travail, c'est très, très, très similaire. J'ai été surpris de comment cet outil-là est facile à utiliser. Puis, comme je dis, ce que j'aime, c'est que c'est plus facile que TeamViewer, dans le sens que TeamViewer, tu dois expliquer à la personne qui a besoin d'aide de télécharger l'outil, puis c'est elle qui te donne le code et le mot de passe. Tandis que là, vous ouvrez l'outil en même temps, puis c'est toi, tu fournis le code à la personne qui a, be qui a besoin d'aide. C'est euh, beaucoup plus rapide pour donner l'aide à la personne. Fait que, tu laisseras, va, va voir dans ton système. Ça prend euh, Windows 1607. Si vous voulez vérifier quelle version vous avez, vous tapez la commande en bas Winver comme ça ici, puis vous ouvrez le programme-là. Cette version-là, ce programme-là vous dit, ben, comme moi, c'est écrit, vous le voyez en Peut-être pas parce que c'est en petit, là, mais c'est écrit, écrit ici, là, version 16.07. C'est la version la plus récente de Windows 10 qui existe présentement. Euh, fait que. C'est vraiment un bon outil, c'est super facile à utiliser. Moi, la première, la prochaine fois que je vais aider ma mère, je vais épingler cet outil-là dans son menu démarrer. C'est sûr parce que je veux, <laughs> je vais être capable de, de lui donner un coup de main pas mal plus rapidement. Je vais faire la même chose avec mon père, je vais faire la même chose avec mes amis parce que chez moi, de toute façon, c'est tout le temps moi qui dépend de tout le monde. Fait que <laughs> on fait avec. Dernier sujet, c'était les questions de la semaine. J'ai eu une question de Galgator qui me, qui m'a écrit. Euh, grande question, quand même, sur euh, un gros texte. Je, vais aller, je peux même vous montrer ça dans les commentaires de l'article. Puis, il voulait savoir plusieurs choses. Vous voyez Lui, il faisait référence parce qu'il cherche une tablette pour prendre des notes et il savait que la surface l'intéresse. Euh, il voulait savoir quelle application que j'utilise, etc. Et comment la sécuriser. Bon. Euh, j'ai fait un galgator, j'ai fait une, un résumé de tes questions. La première question une bonne tablette pour prendre des notes la surface t'intéresse, la surface Pro4, oui. Euh, tu peux choisir la version Core M3 parce que si tu fais juste de l'Internet et prendre des notes avec ça, c'est suffisant comme besoin. Ça, tu vas la payer moins cher aussi. Attends les spéciaux, euh, c'est un produit qui, va, qui, qui a souvent un 100$ de rabais dessus. Donc, tu, vas, tu peux la payer 900 ou peut-être même 800$ prochainement. Puis vise la version avec le crayon. C'est probablement dans ces prix-là, c'est un des meilleurs produits avec un des meilleurs crayons que tu ne pourras pas avoir. Ta deuxième question, c'est quelle application j'utilise moi pour prendre mes notes? Puis moi je l'utilise beaucoup. J'utilise OneNote. Euh, effectivement, tu m'en parlais parce que tu disais que OneNote est intégré à la suite Office. Plus que ça, OneNote est intégré à Windows 10 directement. Puis euh, même si tu n'as pas la suite Office, OneNote 2016 version desktop est gratuit sur Internet. Fait que tu peux aller sur OneNote.com euh, Puis tu peux télécharger ce, 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 ce produit-là même en standalone. Tu peux le télécharger tout seul. Pis une fois que tu as mis ton compte Microsoft dedans, ben, tes notes vont être synchronisées partout parce que tu vas reconfigurer. Comme moi, il est configuré au travail, il est configuré sur mon ordinateur portable, il est configuré sur mon ordinateur de bureau en arrière, il est configuré dans mon téléphone. Fait que j'ai accès partout. Tu peux partager tes notes avec des gens, travaillant en collaboratif, à plusieurs personnes dans certains blocs notes. Comme moi, j'ai un bloc note pour mon travail, j'ai un bloc note qui est sécurisé par-dessus avec un autre mot de passe pour... Ça a rapport à mon travail aussi, mais c'est pour des trucs plus confidentiels. Euh, J'ai un, un bloc-notes pour des recettes qui est partagé avec toute la famille. Fait que toute la famille, on peut collaborer ensemble à un carnet de... un, un gros livre de recettes virtuelles à, à, à travers OneNote que tout le monde a. J'en ai pour plein de besoins. C'est vraiment le meilleur outil pour ça. Le stylet fonctionne super bien dans OneNote. Si tu utilises la version desktop, tu peux convertir ton écriture manuscrite en écriture euh, tapée. Euh, donc, avec le, avec OneNote, c'est très pratique. Tu peux annoter aussi avec ton stylet. C'est vraiment, vraiment un outil qui est très, très puissant et puis qui est sous-estimé chez Microsoft. Les gens ne s'en servent pas assez. Puis, le, le troisième de ta question, c'était est-ce euh, que tu. Euh, euh, la tâche de sécurité, euh, on appelle ça un Kingston Lock. La surface Pro 4 n'a pas de Kingston Lock. Il n'y a pas de possibilité de l'avoir. Ce qu'il faut faire pour la barrer, il faut acheter un Kingston Lock qui colle à l'appareil. Puis ça, quand c'est collé, ça ne s'enlève plus. C'est vraiment super solide. Je l'ai utilisé au travail pour d'autres produits qui étaient des tablettes, si on veut, publiques. Euh, Ce n'est pas décollable de là. Puis quand tu l'enlèves, une fois que tu as vraiment, vraiment forcé, puis As réussi à enlever le lock de là, ce que tu peux pas faire rapidement, ben ça laisse une trace, tu sais, comme une, une trace de colle spéciale qui, qui montre que c'était un produit euh, qui était collé là. Fait que une fois que la tâche est là, tu s'est collé là, tu peux l'attacher avec le lock. La station d'accueil, par contre, elle a un Kingston lock, si je me trompe pas. Donnez-moi le temps, je vais vérifier. Je l'ai juste ici, justement. Ben ouais, alors. fait que la station d'accueil. Euh, de surface Pro 4, elle a là un, un Kensington lock. Fait que tu vas pouvoir l'attacher, elle. Mais pour attacher la tablette comme telle, euh, ça prend un truc qui colle. Fait que euh, une fois qu'il est collé, ça colle vraiment, vraiment très celle-là. Tu peux l'attacher. Euh, fait que voilà pour euh, tes questions, Galgator. J'espère que ça va répondre. J'ai une autre question dans le chat de Mathieu. Transfert de fichiers, transfert de presse papier, son. Euh, concernant. Euh, ça, c'est concernant l'assistance rapide. Euh, transfert de fichiers, oui, à travers du transfert, euh, du transfert papier, donc euh, le copier-coller. Le copier-coller fonctionne autant pour le texte que pour les fichiers, je l'ai testé. Puis, ça transfère rapide aussi. Par contre, je n'ai pas mesuré la vitesse de transfert. Fait que ça, c'est peut-être là que je devrais faire un test parce que j'ai transféré qu'un fichier image qui était d'une dizaine de mégas, ça a transféré. Euh, presque instantanément, mais sur, un, sur le long terme, transférer avec un gros fichier. Je n'ai pas fait le test. Fait que je ne sais pas euh, quelle vitesse ça transfère. Transfert de son? Euh, non. Transfert de son, je pense que le son n'est pas transféré, il me semble. Je de... Mais ce que je vais faire, c'est que je vais valider, je vais refaire le test, puis je te reviendrai avec la réponse euh, un peu plus tard. Fait que euh, voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Moi, c'est le c'est le, 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 le temps que je vise pour une émission, c'est à peu près une demi-heure. Je veux faire ça une fois par semaine. Là, j'ai fait ça le vendredi. Euh, il y a une tradition à un moment donné où est-ce qu'on écoutait tous euh, l'analyse des geeks. Eux faisaient ça le dimanche matin. Dites-moi si le dimanche matin, c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour moi, c'est un petit peu plus difficile, peut-être parce qu'il y a des enfants. Fait que si je fais ça le dimanche matin, ça se peut très fortement qu'à un moment donné, ça. Il y a quelqu'un qui vient de virer et qui crie un peu et tout. Mais ce ne serait pas la fin du monde. Ça ne me dérangerait pas tant que ça. Si vous, si vous aimeriez ça, qu'on reçoive ça le dimanche matin, juste pour perpétuer la, tra la tradition du, du, du show techno le dimanche matin, je vais le faire. Mais sinon, comme ça, un soir de semaine, cette semaine, c'était vendredi, ça fait bien aussi parce que là, ils sont, sont couchés et ils font de dos. Euh, moi, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter. Tremblay Max, Facebook, euh, Maxime Tremblay blogueur, vous pouvez faire la recherche, vous allez me trouver facilement, euh, Twitch, je suis très très souvent sur Twitch.tv, tremblé Max aussi, c'est toutes les meilleures places pour me retrouver, puis je vais annoncer évidemment euh, quand sera le prochain épisode, concernant l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 1, euh, maintenant que l'épisode va être produit, je vais pouvoir soumettre le tout à iTunes et par RSS, et quand tout ça va être disponible, je vais... Évidemment, publier l'information fait que vous allez pouvoir vous abonner sur votre plateforme préférée. C'était Maxime Tremblay. Je vous dis ciao tout le monde. Passez une excellente semaine. Bye bye.